Chica. ¡Hola! Que je prépare ma peau pour l'été, ils disent que pour avoir une peau bien bronzée, il faut manger plein de carottes. Ouh, attention, ça j'y crois qu'à moitié. Parce que si tu prends Pampan, notre lapin, il mange ses 3 carottes par jour, et pourtant, il est toujours blanc comme un cachet. Oui, mais attends, c'est pas pareil, lui, sa peau est recouverte de poils. C'est quoi la différence? Oui. Simon, vous pouvez me rejoindre. Ouais. Alors, vous vous trouvez comment? Bien. Les yeux, c'est ça. La bouche aussi. Bon, par contre, le mien est un peu plus petit. Hein. Enfin, tout ça, ça s'arrange avec un bon coup de pinceau. Hein. D'accord. Entrez. Ah oui, c'est ça. Bravo, c'est tout à fait vous maintenant. Merci pour le conseil, bravo. Par contre... Je me demande si le menton n'est pas un peu trop petit. Ah non, on touche pas au menton. Hein. Ah bah si, il faut changer. C'est le même. Ah bah non. Ah si. 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 Ah, vous voulez être assis? Eh, je vous en prie. Merci. Alors, c'est très drôle. Bravo. Voilà, une chute. Oh, Chantal, regarde. Quoi? C'est Poupée Princesse. Oh, on y jouait tout le temps. Et dire que c'était ma poupée à moi préférée de quand j'étais petite. Ah oui, ça, je m'en rappelle qu'on y jouait tout le temps. Hein. Par contre, c'était la mienne, de poupée de quand on était petite. Oui, dis donc, c'est vrai que quand on était petite, déjà, on se disputait pour savoir à qui elle était. Ah oui, ça, je m'en rappelle qu'on se disputait tout le temps. Hein. Je me rappelle aussi que c'était ma poupée. Oh, dis donc, hey, tu te rappelles de celle-ci? Ah oui, ça, je m'en rappelle. Hein. Ah, je m'en rappelle aussi de t'avoir montré celle-ci. Ah, bon, dis donc. Attends. On est ridicule, tu te rends compte? C'est vrai qu'on a failli se battre. À nos âges, quelle honte. Tout c'est pour ma poupée. Comment ça, ta poupée? Tu veux dire ma poupée? Comment s'appelle cette merveille? Oh ben je sais pas, il est mignon. Peut-être Pampan comme dans Bambi. Ah, c'est pas mal Pampan. Oh Pimpin, ou Scrougnougnou. Ou regardez-moi ses gros yeux rouges. Ou alors Pougnougnou. Oui, ça lui va bien avec ses poils blancs, Pougnougnou. Ben oui, c'est mignon Pougnougnou. Ah non, c'est pas mignon, c'est obligatoire. Hein. Ah oui, à partir du 1er juin, le client doit savoir ce qu'il y a dans son assiette. Hein. La traçabilité. Allez, Pougnougnou, tu dis au revoir Annabelle. Salut. Quand tu es là, un Pougnougnou à la moutarde pour Annabelle, hein? Suggestion pour la cuisson? Bien cuit, très bien. C'est parti. Samantha! Pougnougnou! Buonissimo! Si!